Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre média d'information qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif et culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la bagarre qu'il y a eu sur le plateau de PPLK entre le général Camille Makosso et le chroniqueur Anaconda. Le plateau de Pi Polémique recevait ce mardi la visite du général Camille Makosso. Son passage a été marqué par une violente altercation entre lui et le chroniqueur Anaconda. Les deux hommes étaient à deux doigts d'en arriver aux mains. Cette vive tension a débuté lorsque le chroniqueur Anaconda a attaqué Camille Makosso en ces termes. Makosso, soit tu es pasteur, soit tu es agent immobilier ou influenceur. Tu es vulgaire sur les réseaux sociaux. Même ton patron et ton idole Guy Vincent ne fait pas pareil. Ne penses-tu pas être une honte pour tes fidèles? Tu réagis comme un païen. Laisse l'église, tu vas te concentrer sur Facebook, s'est-il adressé au général Camille Makosso. De son côté, le général Camille Makosso ne s'est évidemment pas laissé faire et a répliqué. Vous n'êtes personne dans ce pays pour oser dire qui je représente. Je n'ai pas de casquette. Quand je sors, on me félicite parce que j'ai un grand cœur. Guy Vincent n'est pas mon patron, on n'a pas le même nom et on n'a pas le même ministère. Dans la Bible, il est écrit « Quand tu sors avec des païens, vis comme les païens ». C'est ce que Paul a fait. Je ne suis pas vulgaire, je dis les choses crues parce que c'est mon travail d'être conseiller matrimonial. Si tu trouves que je ne réagis pas comme un pasteur, fais-moi vu et ignoré, a-t-il déclaré sur le plateau du PPLK. Après ces échanges houleux, le chroniqueur Anaconda a continué à persécuter le général Camille Makosso. Hors de lui, l'homme de Dieu a d'abord déversé une bouteille d'eau sur le chroniqueur Anaconda et s'est dirigé vers le chroniqueur et a bousculé sa tête avant de lui proférer des injures. Les images de cette scène font actuellement le tour de la toile. Après cette scène, aux dernières nouvelles, nous apprenons que le chroniqueur Anaconda et le général Camille Makosso se seraient réconciliés. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner sur notre page Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube et Dailymotion pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.